Bismillahirrahmanirrahim. Donc, nous avons dit, trois concepts qui nous apprennent. Il y a verbe, qui en arabe nous dit fi'l, et il y a sujet, qui en arabe nous dit fa'il, et il y a objet, qui en arabe nous dit maf'oulun bihi. Fi'l, ou soit verbe, c'est quoi? Un verbe, c'est une action. Tomber, manger, causer, okay? Galoper. Cela, c'est pas une action. Mais un verbe, quelle différence est-ce entre un verbe et une action? Un verbe, c'est une action dans le temps. Un verbe, il fait nous connaître cette action-là quand il fait passer. Est-ce qu'il fait passer dans le présent ou soit l'infini passé? Ok, donc ça, c'est un verbe. Nous continuons. Nous gagnons sujet. Quand on fait une action, on va dire qu'il est envolé. Je ne pas qu'on non. Mais il y a une petite chose qui peut envoler. Ça, quelque chose qui peut faire sa action là, nous appelons le sujet. Ok, nous ne pas trouver un avion bien volé, nous pouvons un papillon bien volé. Donc, celui qui peut faire action, nous appelons le sujet. En arabe, il est bien pratique. En arabe, nous appelons fa'il. Fa'il, il donc sa partie la même. Fa'il veut dire celui qui peut faire. Fa'il veut dire celui qui peut faire. Celui qui peut faire. Donc, un sujet, il est celui qui peut faire. Si vous voulez, nous nous appelons doer. Faire, il veut dire doer. Celui qui fait. Plus clair, n'est-ce pas? Ok? Nous continuons. Nous venons objet. C'est quoi un objet? Un objet, nous ne pouvons pas dire, c'est pas plim, c'est pas la table, pas ça qu'il veut dire, pas objet. Nous pouvons dire dans le sens grammatical. Un objet, c'est quoi? C'est action peut faire en lit. Action peut faire en lit. Un exemple. Si je me dis à ce, il y a une boule là, professeur peut taper boule. Professeur peut taper boule. Action, c'est taper. Vous avez suivi moi? Action, c'est taper. Professeur vient faire. Celui qui peut faire action, taper. Boule qui vient, objet. Boule qui vient, objet, parce que action tapée peut faire en lit. Est-ce que vous avez suivi? Regarde, suivez-moi. Me sens-y. Vous dites, un boule ne tape pas au professeur. Le sujet qui est arrivé là, un boule ne tape pas au professeur. Qui est arrivé à ce dire? Boule vient, sujet. Professeur qui vient, objet. Est-ce que vous avez suivi? Parce que sa action tapée là, peut faire en professeur. Je suis pas dit changer là, donc, ok là, c'est bon. Mais quand on continue, le point très important pour nous qui veut faire pour l'indique arabe, donc en passant, on va faire le mini, il veut dire, done, c'est littéralement, il est à peu près comme ça, done with it. Ok, done with it. Donc ça, c'est plutôt, hop, j'ai une faire of lit. Nous continuons, faire, ou soit sujet, tous les temps. Ce case, tous les temps ce hal, l'innominatif. Ça, c'est la clé là, ça. Faire, tous les temps l'innominatif. En d'autres mots, il ne termine pas où. Si les pluriels, il ne termine pas où. Par contre, objet, il ne termine pas e. Si les pluriels, il ne in. Est-ce que c'est bon? Et là, c'est un signe qui finit à lui là. Comment vous, dans une phrase, comment vous identifiez sujet? Comment vous identifiez objet? Les simple. En arabe, il y a simple. Qui m'offre? M'offre ce case. Si vous trouvez là un verbe, vous trouve où? Vous connaissez lui qui peut faire action. Si vous trouvez un verbe, vous trouve E, qui me connaît? Action peut faire. Or, lit. Est-ce que c'est bon? Allez, je vais donner un petit exemple. Je vais donner un petit exemple, je vais faire une petite phrase. Je vais dire, je libre. Est-ce que je vais trouver là? Je libre. Je libre, il y a je vais vous dire, boire. Je libre, un rajoulou. Je libre, un rajoul, elle m'a. الحجرة
شرب الرجل الماء في الحجرة. Que veut dire الرجل? Monsieur. Que veut dire الماء? De l'eau. Que veut dire الماء? De l'eau. Que veut dire حجرة? La chambre. Vous avez connu la حجرة? Venez sur la حجرة. Sur la حجرة. حجرة veut dire les chambres. Ok? Donc, حجرة veut dire la chambre. Allez, facile. D'après ce, vous pouvez dire Al-Hujra tu, Al-Hujra ta, Al-Hujra ti. De quel mot vous dire? Qui fait Al-Hujra ti? Ça fait Nadim? Et suivez-la, vous pouvez dire Al-Hujra ti. C'est Nassim? T'as pas suivi? Qui fait vous dire Al-Hujra ti? Parce que je vais contrôler par fi. Ok là. C'est bon, frère Junet? Allez, d'après ce, Al-Hujra ti, vous dire? Radio, loup, c'est lui qui peut faire action, voir. Ok, frère Junet? Donc, vous dire un radio, loup. C'est bon, c'est Raïssa? Elle m'a un cordial. Elle m'a parce que action, voir, peut faire, or, lit. Est-ce que c'est bon? Non, c'est plus grave. Pas de problème, pas de problème, m'aurait fait. Vous avez envie de dire, un monsieur peut boire de l'eau dans la chambre. Un monsieur peut boire de l'eau dans la chambre. Alors, c'est quelqu'un qui arrive. Chariba veut dire boire. Vous ne pouvez pas noter, net suivre. Après, vous avez besoin de temps noter une chose. Chariba veut dire boire. Est-ce que c'est bon? Rajul veut dire monsieur. C'est bon, tu n'es? Rajul veut dire monsieur. Elle m'a de l'eau qui dans Hujra la chambre. Est-ce que vous devez comprendre? Veut dire un monsieur peut boire de l'eau dans la chambre. C'est bon? Nous commençons ici. Hujra. Qui nous veut dire? Al Hujra tu, al Hujra ta, al Hujra ti. Qui fait genitif? Fille. Voilà, parce que tu contrôles pas. Fille. Dans quoi? Bayrechat, dans quoi? Dans la chambre. Donc, Hujra peut contrôler par fille. À cause de contrôler par fille, il vous vient Jenny. Claire? Il vient de dire les objets, la consacre. Du tout. Derrière, c'est le petit O. Monsieur Abedjamium, est-ce que le cas dit Hujra est un objet? Du tout. Je vais donner l'exemple. Hujra veut dire la chambre. Hujra veut dire la chambre. Shariba veut dire boire. Si vous pouvez prendre Hujra comme objet, qui veut redire? Qui veut redire? Et boire la chambre. Vous me suivez moi? Ok, là. Donc, Hujra dit, peut contrôler par fille. À cause ça, les bin, genitive. Et objet, normalement, dit, accusé. Maintenant, Rajul, d'après sa contexte, ça nous met comprendre. D'après sa contexte, nous devons comprendre c'est Rajul qui peut faire action. Il peut faire action boire et il peut boire des lits. Ok, c'est Zinel? Donc, si Rajul peut faire action boire, nous vous dire Rajul lui. Il peut boire quoi? De l'eau. De l'eau peut être objet. Vous avez dit moi? Action boire peut faire hors de l'eau. Ok? Donc, nous vous disons elle-même. Est-ce que nous avons suivi? Allez. Quand il est temps, suivi et tu donnes la question. Subject. Allez, okay. Comment nous sommes dit à nous? Comment nous sommes dit à nous? Normalement, chariba. Chariba, c'est fiam. C'est fiam. Est-ce que vous êtes d'accord? Pendant que rajul, c'est. Rajul, c'est fin. Il. C'est celui qui fait action charib. Pendant que elle m'a dit Mefroulun Bihi. Mais elle a la gagne, vous la savez. Allez, mon Dieu. Mefroulun Bihi, elle m'a. Elle m'a, Mefroulun Bihi. Fille me considère comme elle. Halfou, Jeff. Par contre, Hujra, vous vous dites un isme. Qui majrour. Vous pouvez dire un noun qui majrour. Qui
فهو ده ينام كي مجرور بالغلط اللي مجرور سحالة كده جاني تي كيف اللي مجرور اللي مجرور فاوس بيدي كونت ولي فا في انتم عليش لازمنا سات كلا اسم مجرور ما بعبلي اسم فينو ما بعبلي اسم مجرور اسم بدل نام مجرور بدل جاني تي maintenant كيف اللي مجرور c'est parce qu'il contre les pas fi. Par un half foot, j'ai. Allez, dis-moi que veut dire ça va un verbe. On veut dire un verbe au tableau. Dis-moi qui veut dire ça. Oral, vous allez me dire Sharifa. Khalaqa. سجد كتب أنا كيف يجي شرب drink ما بودي بليس بريسيزيو ما بودي شرب drink بابو he drank voilà écoute moi bien qui m'obéit dire شرب pas veut dire drink excusez moi شرب veut dire he drank. Est-ce que j'ai dit ça? Un concept bien important ça. Shariba, ça veut dire boire. Shariba veut dire he drank. Il y en a un important, c'est que vous dire là. Pourquoi dans le vocabulaire plus gris? Ok, là. Nous continuons. Que veut dire khalaqa? J'aimerais bien. C'est compris pour ça? Khalaqa veut dire he created. Est-ce que c'est bon? Allez, lui demande que des manfrères. Demande que des manfrères. Que veut dire Sajjad? He prostrated. Vous voulez dire moi? He prostrated. Très bien. He prostrated. Ok? Allez, demande au milieu ici. Deuxième rangée. Deuxième rangée. Que veut dire Katab? He wrote. Est-ce que c'est bon? Ok, chose 9? He wrote. Est-ce que c'est bon? Allez, mon papa, donne-nous un des tickets study, un des tickets study. Mon papa, fais ça. Oui. Allez. Il fait à peu près 3-4 tickets study, après, je vais donner un grand mot. C'est mon exemple. Si moi, je dis, que veut dire? Que veut dire? Et pas forcément dans une phrase qui est dans le courant, hein? Pas forcément. Est-ce que vous pouvez expliquer, vous pouvez ça? Par épaule. Par épaule, pensez. Que veut dire chérie elle-même? On se détend. Que veut dire chérie elle-même? Force à regarder mon top. Allez, dis-moi. Masha Allah, Masha Allah. Très très bien. Le frère dit nous, he drank. Shariba veut dire he drank. Elle m'a the water. Soit he drank water, he drank the water. Très bien. Allez, maintenant nous allons deuxième pièce study. Deuxième pièce study, c'est bon? Allez. Qui va arriver là? Dites bien qui va arriver là. Et allez, toujours, moi je vais vous faciliter les choses pour vous. Remarquez quand il dit Sharib Elma, nous ferons il dit he drank water. Quand ça il a he? Il a le cachet. Voilà, il dit ça non? Nous ferons il dit le cachet. Ok? Quand ça il a le cachet? Il dit ça compris dans Sharib. C'est bon, frère Richard? Il dit ça compris dans Sharib. Ne pas mettre oublié là, mais dit compris dans Sharib. Et le frère dit nous, he drank the water. Il définit le water bien E-G. Il fait nous trouver que ça a action boire là, puis tombe l'eau de l'eau, ça peut faire O de l'eau. Et nous remarquons, objet accusatif. Est-ce que c'est bon? Objet accusatif. C'est bon, c'est assez? Allez. Vous remarquez comment
grammaire arabe bien logique. Alhamdulillah, grammaire arabe bien logique, bien bien jolie. Et bien, des fois, il y a une petite chalibe, c'est qui est arrivé là? Chalibe, elle m'a. Moi, je suis un mot comique. Chalibe, elle m'a. Chalibe, elle m'a. Moi, je suis un mot comique. Moi, je suis un rajul. Allez, pas répondre. Pas répondre. C'est là qu'ils ont tout dit à moi. Est-ce que c'est là qu'ils m'ont tout dit? Est-ce que vous avez gagné? Oui. Gagné? Oui. Vous demandez? Allez, dis à moi. Mais c'est qui? The man drank the water. Est-ce que vous êtes d'accord? The man drank the water. Oui, parce que c'est qui est nominative. La personne drank water. Voilà. Vous avez fini à comment expliquer, alhamdulillah. Très, très bien. Je viens alors hier. Donc, est-ce que ici mon cas dit he drank? Non. Ici, c'est vraiment bien, nous disons he drank, n'est-ce pas? Nous disons he drank the water. Ici, si moi je dis he drank, alors qu'on connaît comment faire ça, c'est-à-dire he drank the man the water. He drank the man the water. Comment faire ça là? J'ai posé une question. T'as pas fait là? Donc, qu'est-ce qui arrive? Ici, donc, écoute bien comment vous dites. Quand on a un verbe, quand on a un verbe, on a un mot nominatif, mal fort. Mon fini connaît qui s'en a sujet. Il paraît que moi, je dis amène chaussette blanc. Après, je dis qui connaît la chaussette blanc, papa connaît. Non, il finit de dire chaussette blanc. Je me suis dit, donc qui connaît la chaussette là? Il me dit, qui connaît la chaussette blanc? Qui coulait avant sur cette blanc? Je vais seulement une fille dire réponse là. Sur cette là, blanc. Ok là, donc ici pareil là. Infini dire nous Raju Lou. Infini dire nous l'innominatif, lui même qui sujet. Comment nous mettons nominatif? Les sujets veut dire c'est lui qui peut faire action. Pena pas juste. Qui? Pena pas juste? Non, ni. Est-ce que bien sûr, moi? Pena pas juste, non, il finit de nous sujet là. Donc on dit lui qui peut faire action, on dit the man drank the water. Par contre, est-ce que ici, on donne un nominatif? Non. Est-ce qu'il y a une donnée? Pena nominatif, là, moi, je vous dire he drank the water. Et je pourrais remarquer, il n'y a pas de contradiction. Pena contradiction, là, parce que rappel, c'est un root word, chaliba, c'est un root word, N, D, 3. Une fois qu'il y a uniquement ça, trois lettres radicales, là, on ajoute non, ni. Si pas n'ajoute non, bien c'est ça, trois lettres radicales là, c'est un root word. Ici aussi, c'est un root word. Rappelez-vous, c'est un root word, c'est un verbe past tense, troisième personne, singulier, masculin. Mais dans tous les cas, il parle. Dans tous les cas, il parle. C'est ce qui, ici, on dit he, ici, on dit he, on dit the man. Mais the man qui est. The man, c'est singulier, troisième personne, masculin. Ok? Allez, nous faisons l'autre. Un autre case study? C'est bon, non? Donc, si je dis chérie, elle m'a, nous vous dire, nous pouvons ajouter he, mais si je dis un mot nominatif, je vous dis tout simplement, the man drank the water. Allez, un autre, c'est un dernier case study. Dernier case study. Après, une chose, nous comprenons, après, nous rendons un exemple qui est la dernière. Que veut dire wajada? Trouver. Wajada veut dire trouver. Ok, nous faisons ça, wajada. Wajada yajidu veut dire trouver. He saw. Allez, prends-le les temps. Vous voyez moi là? Arrête-moi. Arrête-moi là, hein? Alors, ce que je dis, moi, je vais vous dire, je vais vous dire,
attention s'il vous plaît. Donc, les manières de médiation, spot the difference. Quand nous mettons, nous la trouvons tous les deux pareil. Un simple changement ici. Un ressort loup, ici un ressort là. Si il y a un ressort loup, je veux dire dit pareil. Dénominatif. Si il y a un nominatif, je veux dire dit pareil. Si il y a un ressort là, je veux dire dit ma parole dit. Donc, ici, c'est lui qui peut faire action, pendant que ici, action peut faire lui. Vous voyez bien? Ici, lui qui peut faire action, lui faire, il peut faire action, voit Dieu de. Par contre, ici, lui objet, lui me fait le béhi, action, voit Dieu de, peut faire lui. Vous voyez bien? Donc, ici, tout simplement, vous dire, the messenger. So. Par contre, ici, on va dire so he's the messenger. Mais normalement, on va dire so the messenger. Qu'est-ce qu'on va dire? He so the messenger. Est-ce que c'est bon? Très bien. Et ça, envoyer, là, qu'on fait la différence. Ça, c'est beauté. Moi, je trouve ça une beauté dans l'arabe. Et comment dire est mieux pour. Ça, si ça fait là, comment est mieux pour comprendre sa phrase là? Ok. Nous prenons un break. Fini, c'est nous fini. Je vais finir pour prendre la conduite. Allez, on se break. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire?